Elle est toujours là, notre datcha, Dimitri, notre datcha. Je me souviens. C'est là qu'on venait pour se reposer. Après des journées de travail où on plantait les arbres pour la commune, sur la lande, parce que là, il n'y avait rien. On s'y mettait à l'abri les jours de grosse chaleur, les jours de forte pluie. Ouais. L'eau miraculeuse de Saint-Sagittaire. Ah oui. On allait plutôt au café-restaurant de Saint-Seutier boire la piquette. Du bon rouge, tu te souviens? Oui, t'as raison d'y retrouver. Parce que l'eau de la fontaine, moi j'aimais pas trop ça. Hein. Ça rouille. Nos potes du soviet, on les retrouvait là. Ouais. Et Globa, tu te rappelles, Globa, un sacré meneur d'homme quand même. Ouais. Tu vois, être ici, c'est comme remonter le temps. Ouais, je me souviens, été 1917, pour éviter qu'on soit inactif au camp de la Courtine, pour éviter aussi qu'on fasse des conflits et des problèmes entre nous, l'état-major français a décidé de nous disperser. Et il nous a proposé comme travailleurs dans les villages voisins. Eh bien, Saint-Seutier, le maire à l'époque, il a pris 4 gars, 4 soldats, dont nous 3. Eh ouais, Jean-Baptiste Peloux qui s'appelait le maire de Saint-Seutier. Ouais. Alors, au lieu de nous faire des travaux agricoles, il a décidé de nous faire reboiser le plateau. Ouais, avec des... C'était des mélèzes et des épicéas. Ouais. Et même qu'on dormait, je m'en souviens maintenant, on dormait à Chassin. Ouais. À 4 km d'ici. Ouais, Chassin. Oh, hey, une vieille grange. Ils avaient fait un dortoir là-haut. Ouais, la cabane du berger, elle nous servait de refuge. On y mettait nos outils. On y prenait nos repas. Et puis, on y refaisait le monde. Sans guerre. Ah, sans guerre. Et ouais, aujourd'hui, il y a bien guère que nos dames errantes ici. Amis promeneurs, installez-vous bien, parce que je pense que là, les âmes errantes vont vous raconter une histoire. Prêtez-nous vos oreilles. Écoutez, mes amis, écoutez attentivement. 1914, en pacifiste acharné, Jaurès aura tout fait pour éviter la guerre. Mais le 31 juillet, alors qu'il dîne au café du Croissant à Paris, il est abattu à bout portant par un étudiant nationaliste. 3 jours plus tard, l'Allemagne déclare la guerre à la France. 1915, Paul Doumer, le président du Conseil, se rend à Pétrograd et négocie avec le tsar en vue de créer une réserve d'infanterie russe en France. Les Russes obtiennent des compensations inespérées. On leur promet non seulement un surcroît d'armes, mais on leur fait miroiter aussi des territoires convoités par l'Empire. 1916, les hommes broyés doivent être renouvelés afin d'enfoncer le tronc tenu par les Allemands. C'est le temps des grandes offensives.
l'état-major russe envoie 2 brigades de 10 000 hommes vers l'ouest, la première et la troisième brigade, tandis que les brigades 2 et 4 sont envoyées sur le front oriental. Concentrons-nous sur la première et la troisième brigade puisqu'elles nous concernent plus directement. La première brigade est composée d'employés et de travailleurs de la région de Moscou. La troisième, de paysans des régions de Tcheliabinsk et Ekaterinbourg, moins politisés. L'ordre est arrivé de Saratov d'envoyer les 2 brigades de 10 000 hommes en France, sur le front en Champagne. Alors on nous a désignés, mais beaucoup d'entre nous étaient d'accord pour partir en France et faire le tour du monde. Ce long voyage commence à Samara, puis Tcheliabinsk, puis une semaine de 2 trains d'un long voyage en train à travers la Sibérie, à moins 40 degrés, dans les wagons entassés, on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour aérer. Il y a même des camarades qui ont été intoxiqués par les vapeurs du poêle qu'il y avait dans le wagon. On est arrivé au port de Dairen, en Mandchourie, en face du Japon. Et là, on a été entassés sur 5 bateaux, on était 10 000. Et puis, le long voyage a commencé. Hong Kong, Singapour, la mer de Chine, Djibouti, Ceylan, le canal de Suez. Oui, au cours de sa traversée, on a subi la chaleur, le froid, les conditions d'hygiène déplorables, et puis les menaces et les brigades de nos officiers, dont la discipline de fer et le règlement les autorisaient donc à nous donner des châtiments corporels. Les soldats arrivent à Marseille le 20 avril 1916, où ils reçoivent un accueil triomphal. La population est en liesse, car ils sont assurément le rouleau compresseur, eh oui, qui offrira à la France la victoire qu'elle mérite. Les soldats russes reçoivent un fusil. Puis, ils prennent le train pour le camp de Mailly, près de Reims, où ils sont entraînés au maniement des armes. Prêts pour la guerre, prêts pour la boucherie. À l'automne 1916, ces brigades russes tiennent les secteurs d'Auberive et de Lude. Ce secteur était jugé par l'état-major comme... calme, plutôt sûr. Mais, croyez-moi, chaque jour, il recevait son lot de blessés, de morts. Et nous, le soir, on revenait avec nos baïonnettes rouges de sang. Février 1917, on apprend par les soldats français à côté de nous et par les journaux qu'il y a des manifestations tous les jours en Russie et surtout à Petrograd. Oui, nos femmes réclament du pain. Ouais, un gouvernement provisoire vient de se constituer. Nicolas II abdique. C'est la révolution. C'est la révolution. Notre révolution. Notre révolution. Oui, 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 oui. Oh là là. Ces événements ne sont pas censés affecter la mission du corps expéditionnaire russe en France. Le gouvernement provisoire russe nomme de nouveaux représentants et donne des consignes de démocratisation de l'armée. Les soldats comprennent que la révolution est complexe. Les bolcheviks y sont impliqués.
Mais pour l'heure, ah, pour l'heure, les soldats, là, ils apprécient l'ordre du Pricase numéro 1. Et vous allez savoir pourquoi. Désormais, les soldats sont des soldats citoyens. Oh. Qui peuvent jouir de leur plein droit. Oh. Le garde à vous et le salut sont supprimés. Oh. En dehors du service. Oh. En dehors du service. Mais enfin, bon, les mauvais traitements sont supprimés. Ouais. On discute politique. On peut élire des représentants démocratiquement dans des comités de représentants dans toutes les unités. Ah, la grande frayeur des autorités, hein. Ben, tu parles des comités de soldats. Des soviets. Oui, qui sont élus dans nos deux brigades. Soviets surtout orientés vers la canalisation des désirs de rentrer en Russie, sans obérer d'ailleurs l'acceptation... Durement obtenue. Oui. De mener la dernière offensive, celle d'avril 1917. Une dernière offensive ? Celle du chemin des dames. Hein ? Ça vous dit quelque chose ? Les deux brigades sont jetées dans la mêlée. Le général Lobvitsky envoie au combat les malades et les blessés non cicatrisés. Car toutes les forces humaines, toutes, doivent participer au combat. Courzy, Brimont, le Mont-Spin, la côte 108, la mort, les rats, les bombardements, le bruit, la terre qui tremble. Partout, des corps écartelés, et toujours la mort, sale et puante. Le 1er mai 1917, date symbolique, qui célèbre la journée internationale des travailleurs et de leurs conditions de travail. Les soldats organisent une grande manifestation. Il est temps pour eux, il est temps de rentrer au pays afin de participer à leur révolution et savoir ce que sont devenues leurs familles. En cette année maudite, 1917, messieurs, dames, en cette année maudite, ils ne sont pas les seuls à exprimer leur colère et leur refus de continuer la guerre. Des poilus refusent de monter au front. Ils sont fusillés pour l'exemple. Liberté ! Liberté, égalité, fraternité ! Ravenstvo, bratstvo, svoboda ! Pour la paix du monde entier ! Italie, Papouali, Grouche, Papouali, Toumanina, Rico, Vicari, Anabelica, Toucha, Navustoi, Bericana, Cruto, Vicari, Anabelica, Toucha, Navustoi, Na cruto, picadi la pienu savariva, pastima lo si savara, pratamo cattora da iubil, pratamo ci pista subita, pratamo cattora da iubil. Les deux états-majors français et russes décident d'isoler les soldats russes dans un camp en Creuse. Le temps de les remettre
mettre dans le droit chemin, disent-ils. Le droit chemin. Sur 6000 hectares, très récent, le camp de la Courtine est conçu pour l'instruction des troupes à hauteur de 12 000 hommes et 1200 chevaux. Les troupes russes, trop nombreuses, comptent 16 000 soldats et officiers. 16 000 soldats et officiers. Les soldats ont encore leurs armes et leurs munitions. Fusils Lebel, fusils mitrailleurs, mitrailleuses, canons de 37 et mortiers de tranchée. Et dès notre installation, on a chassé les officiers. Ouais. Tiens, le commandement a été donné à des simples soldats comme ça. Et le ravitaillement, c'est nous-mêmes qui l'assurions. Ouais. Mais les soldats ont des avis divergents quant à la conduite à tenir. Si tous sont d'accord pour rentrer en Russie, ceux de la 3e brigade, plus conciliants, veulent continuer la guerre jusqu'au bout afin d'obéir aux ordres du gouvernement provisoire de leur pays. Ceux de la 1e brigade de sensibilité plus bolchévique ne veulent au contraire plus faire la guerre du tout. Conciliant, vous vous couchez devant l'état-major et les Français. Enragé ! Vous faites le jeu de la réaction prussienne. Soumis, bordel ! Vous manipulez là. Bon. Allez, lâche, blanc. Maximaliste. Tsariste. Bolchevique. Socialiste. Ouais, c'est ça, vous servez de partie de l'étranger. Oh là là là. Ces comportements amènent l'état-major à envoyer le 8 juillet la 3e brigade dans le secteur de Felta. Il les envoie donc dans le secteur de Felta pour éviter que les Courtiniens ne la contaminent. À la Courtine, chaque jour, ont lieu des réunions et des meetings. Les soldats exigent toujours de retourner en Russie. Les hommes se mettent à la population, aident aux champs. La culture russe se frotte à la culture creusoise. Mais oui, les deux s'apprivoisent. Au sein des camps sont même créés un orchestre, une troupe de théâtre, une bibliothèque où Pouchkine voisine avec Balzac. Et Molière. Ici, il y a un chien qui s'appelle Molière. Les Russes sont appréciés des habitants, tant par leurs soldes et leurs économies qu'ils dépensent généreusement dans les 70 cafés épiceries du village. Et puis leur bonne humeur et leur sens de la fête. Les récalcitrants. Le général Zankievitch fait appel à 2500 soldats de la 3e brigade, triés sur le volet, parqués au camp du Cournot, en Gironde. L'armée française fournit des batteries de 75. Et une aide technique, ainsi 5000 hommes sous la direction du général Combi. On évacue la population de la Courtine et des villages voisins. On creuse des tranchées autour du camp. Le front se reconstruit en creuse. Le front se reconstruit en creuse. Le front se reconstruit en creuse. Au camp de la Courtine, l'étau se resserre. À présent, les hommes enclavés sont considérés tels des mutins. Encerclés, affamés, traités pire que des chiens. Au matin, 17 septembre 1917, ils savent que l'inéluctable va se produire. Alors,
en désespoir de cause, refusant dans un premier temps de prendre les armes contre leurs frères, à 10 heures du matin, au premier coup de canon, ils chantent la Marseillaise. Ah, pas celle de Rouget de Lille, hein? Non, celle de Lavrov. Debout, travailleurs. Debout contre les ennemis, frères affamés. Et l'orchestre joue la marche funèbre de Chopin. Et ainsi, avec régularité, le canon va tonner. Le 17 septembre, 200 soldats se rendent. En 3 jours de bombardement, 880 obus de 75 sont tirés. Le 19 septembre, c'est la fin des Tircesses. Les mutins se rendent. Le front de la courtine règne. Sur le front de la courtine règne un silence de mort. Devant le mess des officiers, on arrête Globa, le président du Soviet, celui qui avait succédé à Baltaïs et à Volkov. Bilan officiel, sur les 8515 soldats russes présents à la courtine, perte côté insurgé, 8 tués et 44 blessés. Tu parles. De qui on se moque? Des centaines de morts, des centaines plus, de morts. Plus, disent même certains, plus même. « 92 meneurs sont arrêtés et envoyés dans une prison militaire à Bordeaux. 300 soldats sont envoyés en détention au fort Liédo sur l'île d'Aix. 300 éléments dits agités sont internés au camp de Bourg, très agités. De Bourlastic dans le Puy-de-Dôme, 7800 soldats sont destinés à former 19 compagnies spéciales de marche non armées et retournent à la courtine où certains n'hésitent pas à créer un comité clandestin de lutte contre la guerre impérialiste. Les mutins de la courtine n'ont que 3 options. Servir à nouveau au front, être enrôlé dans des compagnies de travailleurs ou être condamné aux travaux forcés dans les bagnes et déserts de l'Afrique du Nord. Afrique du Nord. Bonne. Oran, Alger. Il est loin, le mirage oriental. Et pour ceux qu'ils estimaient être les plus dangereux d'entre nous, l'armée pratiquait la torture. On nous attachait sur des grands poteaux en plein soleil pendant des heures et des heures, et puis après, on nous jetait dans des caves sans eau, sans manger, sans pain. On faisait des marches forcées de dizaines de kilomètres, sans ravitaillement. Mais on n'a pas cédé. On n'a pas cédé. Les Français nous proposent d'intégrer, sous l'uniforme français, une unité combattante pour continuer la guerre sans soviet cette fois. C'est la Légion russe, dite Légion de l'honneur. Créée par Clémenceau. La France soutient les Blancs fidèles au tsar contre les Rouges. Quelques centaines d'entre nous sur les milliers que nous étions ont accepté. Il y a déjà un certain Rodion Malinowski qui est rentré dans cette Légion. Et peut-être avez-vous déjà entendu son nom. Il a été maréchal en Russie et ministre de la Défense sous l'ère Khrouchtchev dans les années 1950. Mais après la paix de Brest-Litovsk, en mars 1918, la Russie bolchevique se retire du conflit. Les mutins refusent toujours de se soumettre aux autorités militaires et réclament leur retour en Russie. Par décret, le gouvernement français envoie la grande majorité des soldats du corps expéditionnaire
11 000 hommes dans les compagnies de travailleurs réparties dans toutes les régions militaires pour éviter les risques de troubles. Ils se plaignent de leur rétention, de leurs conditions de travail, de logement, des conditions sanitaires. Et surtout, aucun soviet n'est toléré. La majorité choisit d'intégrer des compagnies de travailleurs dans toutes les régions de France. Le problème, c'est de trouver suffisamment de traducteurs pour mettre à disposition des employeurs. Les soldats russes sont employés alors dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie. Une partie des travailleurs donc est envoyée sur des fermes. Et les paysans préfèrent les Russes aux prisonniers allemands. À Lure, en Haute-Saône, la compagnie 7-2 travaille dans un important chantier de production de pierre qui se trouve à la verrerie de Roy, au lieu dit les Foulterres. La compagnie stationne à Lure et vient donc travailler à Roy, afin d'extraire du sable, du gravier, etc. Les compagnies 7-7 et 7-9 sont affectées comme bûcherons auxiliaires dans la forêt de Joux. Le travail pénible n'empêche pas ces travailleurs partout de tisser des relations, des liens d'amitié, d'amour aussi, avec les populations. Et d'organiser des grèves. La solidarité est omniprésente. Avec défilés et drapeaux rouges. Causant une grande frayeur auprès des autorités militaires, du gouvernement et de la police. Ouais, cette frayeur amène les autorités à condamner et emprisonner ceux qui s'estiment être les meneurs ou qui sont susceptibles de déclencher une mauvaise ambiance parmi la population française. Alors ils les enferment au fort Liédo, à l'île d'Aix, pour des périodes 2, 3, 4 mois. Et croyez-moi, c'était dur, le fort Liédo. Prison et bagne en Algérie. En 1917 et 1918, plus de 9000 Russes y sont parqués avant d'être transférés vers les compagnies des trois divisions algériennes et affectés à des travaux éprouvants. Coupe de bois, défrichement, terrassement, notamment pour les chemins de fer et les mines, au service de l'État et des colons. C'est en 1919, sous le gouvernement bolchévique, que le gros des hommes est finalement rapatrié à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Certains décident de rester en France et de fonder une famille. Comme Jean Gavrilenko, par exemple. Stéphane Gavrilenko, pardon. Dont les nombreuses lettres. Des journaux intimes, des carnets. Les poèmes, les textes. Des pièces de théâtre aussi sont arrivées jusqu'à nous. Afin que nous ne nous n'oublions pas. Nous allons vous distribuer une chanson qui va être reprise. Au moment du refrain, vous serez les bienvenus pour la chanter, s'il vous plaît. On ne chante que le premier et le dernier couplet. C'est là qu'on va voir si la rando ne vous a pas coupé le souffle. On s'est posé un moment quand même. On va avoir besoin de voix de ténor. Hein. On va avoir besoin de voix de ténor. Hop. Merci beaucoup. Ah là là. Oh, oui, peut-être. Débarqué à Marseille, avril 1916, tout partir à la guerre et mourir dans la glaise, paysans de la Volga, ouvriers moscovites, combien furent livrés par la Russie tsariste aux ordres du boucher.
maréchal Palitzine en rempoule l'abattoir, direction première ligne, avril 1916, c'est l'appel de Quintal, criant non à la guerre et guerre au contre des fusils. Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau de bougie? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? Combien vaut la peau? surtout après cette brillante prestation, je vais vraiment faire pâle figure. Je vais simplement apporter quelques précisions au sujet de la cabane. D'abord l'appellation cabane des butins que vous avez pu lire sur le petit panneau est récente. Ça date de quelques décennies. Les gens de Saint-Cy, les autochtones, nous l'avons toujours appelé la cabane des Russes. Et nous aurions même dû dire les cabanes des Russes, car il y en avait deux. Nous reviendrons sur la deuxième après. Les cabanes des Russes, nous avons toujours préféré les gens de Saint-Cy, cette appellation à cabane des butins. Car si ces soldats
étaient considérés comme des mutins vis-à-vis de l'armée au camp de la Contine. Ici, à Saint-Cyr, c'était simplement des soldats russes, comme il y avait des soldats français. Ils ont vécu en parfaite intelligence avec la population. D'ailleurs, leur passage a été relativement bref, moins de 3 mois. Bon, ils ont remplacé. Je ne veux pas faire toute l'historique qui était vraie avant. En fait, je n'en ai été incapable d'ailleurs, je ne suis pas prof d'histoire. Ils ont remplacé dans les fermes les prisonniers allemands qui avaient été requis pour les différents travaux, avec comme forestier, routier. Le maire de Saint-Cyr, le docteur Poulou, conseiller général, a obtenu encore des autorités pour disposer de 4 militaires russes. Le docteur Poulou avait un frère, qui habitait le bourg de Saint-Cyr, et comme lui était agriculteur, avait une petite propriété. Les frères Poulou avaient été très sensibles aux arguments d'un nouvel inspecteur général des eaux et forêts, nommé en 1913 à Meymac, Marius Vazey, qui à mon avis fut une des plus grandes figures du plateau. Ce Marius Vazey préconisait un reboisement à outrance, surtout des résineux, pour essayer de mettre en valeur le plateau de mille vaches. Ces deux frères donc étaient très sensibles à ces arguments, et les 4 soldats russes furent affectés à des travaux de reboisement. Ils travaillèrent sur 3 parcelles, celle-ci, une autre à proximité, le long de la départementale 36, en direction de Grande-Combe, sur la grande ville droite des Poites de Vieille Maison, et une troisième en bordure d'un chemin qui relie la grande piste forestière de Verviale à la route du Moulin. Bon, je vous en parle avec une certaine assurance, car par le jeu des successions des votes, je me suis retrouvé propriétaire de ces 3 parcelles en 1986. La dernière propriétaire était Madame Longchambon, la femme du ministre, conseiller de la République, directeur de la recherche scientifique, etc., qui était décédée sans enfant. D'après ses propos, je les rapporte exactement, elle ne voulait pas engraisser les marchands de bois en leur vendant ses plantations. C'est pour ça, chose que j'ai faite en 1987, un an après en avoir été propriétaire, ces arbres avaient 70 ans, ils avaient énormément dépéri et ils perdaient beaucoup de leur valeur. C'est un marchand local, M. Malaki de Saint-Pardoux-le-Vieux, qui les a achetés. Les 2 autres parcelles, je les ai replantées. Celle-ci, j'ai voulu la laisser revenir en état naturel, car j'estimais qu'il y avait suffisamment de résineux qui entouraient le mur, le bois de celle-ci. Alors, bon, il y a des boulots, surtout quelques châtaigniers, je crois, des sorbiers analysés, enfin, peu importe. Ces 4 soldats construisirent. J'aurais dit, ah ben oui, je sais bien, vous avez faim. Elle est marrante. Moi, j'attends depuis 9 heures. C'est pour ça qu'on mangeait pas. Parce que... Bon, les 4 on sait ce que c'est que la faim, nous. Cette cabane, c'est cabane, comme il a été dit, pour se mettre à l'abri des intempéries. Ils stockaient quelques vêtements dans le sens et surtout mettaient à l'abri leur casse-croûte de midi, puisqu'ils déjeunaient sur place. Cette cabane était leur abri dur, car ils n'ont jamais touché de la zone de l'étude trop exigu d'ailleurs pour abriter 4 personnes qui dorment. Voilà. Bon, je vous l'ai dit, les contacts avec la population étaient excellents. Les soirs, les soldats rentraient à leur cantonnement qui était au village du Chassin, une partie de bronze qui avait été aménagée sommairement pour les accueillir. En plus, ils se payaient quelques extras et ils descendaient dans le bourg consommer au café Verviale. J'ai très bien connu la propriétaire Marie Verviale qui m'a dit, comme d'ailleurs qui voulait l'entendre, que ces soldats, certains soirs, elle ne se souvenait plus du nom, mais 2 ou 3, où reçurent la visite de Globa. Et Globa, je pense, venait peut-être pour entretenir le fait sacré de la révolte. C'est une supposition, car on ne sait pas quelle était la teneur de leur propos. Mais la visite de Globa ne passait pas inaperçue,
car c'était un malabar qui passait tout juste sous les pentes du café, et en plus, il se déplaçait toujours à cheval. La deuxième cabane, c'est à proximité, là. Tout à fait en bord de la route, il y a des voitures qui sont garées à moins d'un mètre. Ben, cette cabane était plus petite, elle servait surtout d'entrepôt pour le routillage, les scies, les haches, les pioches, etc. car elle ne disposait pas de la tronçonneuse. Malheureusement, cette cabane a été écroulée par des gamins de Saskia en 1968. Je pense que c'était pour eux leur façon de faire leur révolution. Enfin, bref, on la retrouve très facilement. Elle a la forme d'un fer à cheval, car les murets subissent encore une hauteur d'à peu près 20 cm. Écoutez, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Peut-être que je peux vous assurer, c'est que c'est la vérité, car c'est quelque chose de ma grand-mère et de personnes âgées de sa vie. Car en plus de la vérité, c'est créé une sorte de légende de qu'en dira-t-on, on, pronom indéfini. On prétend que des soldats russes ont été fusillés. Ça, malheureusement, c'est vrai. Mais que certains sont enterrés dans le bois des Jargas. C'est un petit bois à la sortie de Saskier, sur la route en direction de la Course. Et même, paraît-il, un casque aurait été retrouvé sur ces bois. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Très bien, merci. Avant de nous séparer, je tiens à remercier particulièrement M. Alain Mazière, le frère du maire que je croyais rencontrer, car c'est grâce à lui si cette cabane ne s'est pas écroulée. Il y a quelques années, elle était envahie par la végétation des arbres qui s'élèvent sur le toit. Voilà. Quant à la deuxième cabane, j'espère que quelques bonnes volontés, à l'initiative de M. Pascal Bassé, ici présent, essaieront de la reconstruire. C'est bon souhait. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre patience et je vous souhaite bon appétit. Bravo. Bravo.